J'ai trop bien dormi. La 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 la. Je crois que Sam dort encore. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est bizarre. On dirait un morceau de laine. Oh ! Qui est cette jolie demoiselle qui s'est faufilée dans la maison ? C'est une petite araignée. Tu es très mignonne. Viens voir là, ma jolie. Sam, réveille-toi, on a une nouvelle amie de compagnie. J'arrive, si. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, Sam, on a une nouvelle copine. Oh, si. C'est une araignée. Elle est effrayante. Sam, tu ne peux pas juger quelqu'un d'après son apparence. Tu dois d'abord chercher à savoir à quel type de personnalité tu as affaire avant de tirer des conclusions. Tu as raison, si. C'est vrai. Il lui faut bien un endroit où vivre. C'est vrai. On va lui acheter un terranium. Mais en attendant, on va lui organiser quelque chose pour nous assurer qu'elle ne se perde pas. Où est-ce déjà? Oh, voilà, j'ai ce qu'il nous faut. Attends, je crois qu'il m'en reste aussi un peu par là. Oui, voilà, ça va le faire. On va mettre ça ici et notre petite araignée va attendre ici un petit instant. Hé, ma jolie. Non, on ne va pas dans le lavabo. Attends-moi ici. Ok, je mets un peu de terre dans le récipient. Et voilà. Attention. Hé, petite araignée, viens voir. Viens par là, ma jolie. Voilà, c'est bien. Tu vois, c'est un abri temporaire pour toi. Ok? Tu vois, Sam, notre araignée va sagement attendre ici. Les amis, très important, n'oubliez pas de faire des trous dans la boîte afin que l'araignée puisse respirer. Si, je n'en avais vu que dans les encyclopédies. Comment a-t-elle pu arriver jusqu'ici? Je crois qu'elle vient de dehors. C'est bizarre que tant de gens aient peur des araignées. En fait, elles sont totalement inoffensives. Les amis, mettez des pouces en l'air si vous n'avez pas peur des araignées. Si, notre petite araignée ne va pas rester dans cette boîte minuscule, j'espère. Bien sûr que non, Sam. Reste avec elle. Et moi, je vais lui commander un terrarium, ok? Eh bien, restons assis ici. Coucou, gentille petite araignée. Non, tu me lâches, les amis. Il se passe quelque chose de pas normal. Si! Quoi, quoi? Pourquoi tant de panique? Regarde, regarde! L'araignée, elle va mourir! Non, Sam. Notre araignée est juste en train de muer. Tout va bien. Je n'avais jamais vu ce phénomène en vrai. C'est très surprenant, mais super cool. Pourquoi fait-elle ça? Elle n'aime pas son ancienne peau? Sam, c'est comme ça que les araignées grandissent. Ce n'est pas vraiment sa peau, c'est plutôt comme un squelette. Quand une araignée grandit, elle mue. Quelle superbe créature! Ne l'embêtons pas, laissons-la s'habituer à son nouveau corps. Il n'y a rien à faire qui puisse vraiment l'aider à ce moment. Et quand elle sera prête, sa nouvelle maison sera là. Notre terrarium est arrivé. Il est temps de le monter. Notre petite araignée semble se sentir mieux. Et elle est prête pour le grand déménagement. Les copains, vous avez une idée de nom pour notre araignée? Écrivez-le dans les commentaires. Cette espèce d'araignée est une mygale goliath. Ces araignées peuvent très bien vivre en captivité. Donc on va la garder, mais on ne peut pas la laisser se balader dans l'appartement car on risquerait de la blesser. De plus, elle doit avoir sa zone de sécurité où elle trouvera de la nourriture et de l'eau. C'est pourquoi il lui faut un terrarium. Ok, les amis, passons aux choses sérieuses. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, je n'ai encore jamais assemblé de terrarium pour araignée. Je me demande si c'est comme pour une fourmilière. Non, si. Ce sont des choses complètement différentes. Tu crois? Ok, on verra. Waouh, c'est très joli et ça semble résistant. Regarde-tu, je crois qu'il est cassé. Il y a des trous dedans. Non, Sam, ces trous sont faits exprès pour laisser passer l'air. Oh, c'est vrai, j'oublie à chaque fois. Si, c'est pas grave, Sam. Les experts s'en sont occupés. En plus, il y a des attaches spéciales pour la fixation ici. Elles permettent d'assembler les parois ensemble, comme ça. Si, tu crois que l'araignée aura assez de place pour tisser sa toile ici? J'ai lu qu'une araignée peut tisser assez de toile pour faire tout le tour de la Terre. Eh bien, elle n'aura pas besoin d'autant de toile dans ce terrarium. Il faut juste s'assurer qu'elle ait assez d'espace. Regarde, j'ai fini de fixer toutes les parois. Maintenant, elle a suffisamment de place pour tisser sa toile. Ok, alors je n'ai plus à m'inquiéter. Mais une araignée doit avoir besoin d'autre chose que de l'espace, pas vrai? Bien sûr, Sam. Ajoutons différentes choses. Comme dans tous les terrariums, les araignées doivent avoir un sol mou pour ne pas se blesser si elles tombent. Le substrat de noix de coco est un revêtement parfait pour le sol de notre terrarium. Regardez ce qui va se passer. Regardez comme il absorbe l'eau. C'est comme de la magie. Ajoutons en plus, il est gonflé d'eau, vous voyez? Il est quasiment prêt.
Maintenant, il faut le pétrir comme de la pâte. C'est amusant, non? Et voilà! On va en tapisser le fond du terrarium. Les amis, je vous rappelle qu'on vous a demandé de nous aider à trouver un nom pour notre araignée. Écrivez le nom qui lui convient le mieux dans les commentaires sous cette vidéo. Allez-y! Chut! On doit lui ajouter un endroit où dormir! Tout à fait, Sam! Regarde! J'ai acheté un accessoire spécial pour ça. Pourquoi tu l'as acheté? On aurait pu en ramasser un dans la rue, si! Qu'est-ce que tu racontes? Il vaut mieux ne rien ramasser dans la rue pour les animaux exotiques. Ça risquerait de les rendre malades. Il est préférable de n'utiliser que des objets spéciaux qui leur sont destinés. Ça ressemble plus à une maison maintenant. Il reste à lui aménager une cuisine et un endroit où elle puisse jouer. Eh bien, pour la cuisine, nous avons besoin d'un récipient pour son eau et sa nourriture. On va le mettre en face de sa chambre, comme ça. Et maintenant, quelque chose pour jouer. Oh pardon Sam, j'ai oublié de te prévenir que notre ami aime les jouets exotiques. C'est vrai, il n'y a pas plus exotique que ça. Où as-tu trouvé ce crâne de pirate? Dans ma tombe Sam. Voilà, nous avons installé tout ce qu'il nous faut pour notre araignée. C'est une sorte d'invité VIP que nous avons là. Exactement Sam, bientôt nous montrerons cette maison à sa nouvelle propriétaire. Notre petite araignée a besoin d'eau et de nourriture. Super, tout est prêt maintenant. Bonjour toi, tu es prête? Viens par là ma petite, bienvenue chez toi. Vas-y, prends ton temps pour t'installer, j'ai un œil autour de toi. Regardez, elle va directement dans son refuge. Je crois qu'elle aime sa nouvelle maison. Mets-toi à l'aise petite araignée. C'est bien ma jolie, tu as une nouvelle maison maintenant. Tu as oublié quelque chose si? Les araignées adorent être au chaud. On doit s'assurer que la température soit confortable pour elles. Waouh, c'est vrai Sam, où est-ce que tu as eu ça? On va le mettre ici. Tu n'es pas la seule personne sérieuse ici, Su. Maintenant, on a vraiment terminé notre travail. Alors, petite araignée, ta maison te plaît? J'espère qu'elle l'aimera et qu'elle ne s'en échappera pas. Sinon, on risque de lui marcher dessus et de lui casser une patte. Sam, les araignées n'ont pas d'eau. Elles n'ont pas d'eau? Mais ces pattes ont l'air bien dures. En fait, les araignées ont plutôt une sorte d'armure. Bien qu'il soit tout de même possible de lui faire mal aux pattes, si on lui marchait dessus accidentellement. On ne marchera pas sur ses pattes! Et on ne lui fera jamais de mal, jamais! C'est pour ça qu'on lui a fabriqué ce terrarium, non? Oui, Sam, entre autres. On dirait qu'elle est bien, là. Je pense aussi! J'ai hâte que nos abonnés trouvent un nom à notre araignée! Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donnez-nous un like si vous voudriez vous aussi avoir une araignée ou un autre animal de compagnie exotique. Si, si! Et si nous adoptions un serpent? Oh non! S'il te plaît, si. Ce genre d'animal est un peu trop exotique pour moi. Allez, je dois filer. À bientôt les amis.